C'est bien, Saint-Pérégrin. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est un miracle! Saint-Pérégrin l'a ramené à la vie! Franchi, dis-moi ce que t'as fait. Sortons, on s'en va. Que me raconte tout là? Ce que fut ma vie. Tu voudrais me faire croire qu'enfant, tu possédais déjà des pouvoirs surnaturels? Moi, je n'ai jamais eu aucun pouvoir. Je n'ai été que le spectateur des miracles du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Tu es bien le premier à avoir peur de moi. Où est ta maman? Dans la campagne, mais elle va revenir. Comment tu t'appelles? Francesco. Et toi? Je suis le frère Camillo. Et ceux-là, qui sont-ils? Celui-là, c'est Saint Joseph. Lui, c'est Saint François. Et voilà Saint Michel Archange. Attends voir. Qui sont-ils? L'homme transpercé par les flèches, c'est Saint Sébastien. Et celui-là, c'est Saint Antoine de Padoue. Je les connais pas. Tu ne les connais pas? Une minute. Je pense que tu les connais bien, ceux-là. Ah oui, c'est Jésus et la Vierge Marie. Je les vois souvent. Tu vois Jésus et la Vierge Marie? Qu'est-ce que vous vous dites? Des tas de choses. Pourquoi? Tu ne les vois pas, toi? J'avoue que je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. Ce n'est pas vrai. Tu dis ça parce que tu es un homme humble. Eh bien, puisque vous êtes si amis, la prochaine fois que tu les verras, dis-leur de me faire un petit signe. Ne t'en fais pas, je leur dirai. Ils viendront à toi. Seigneur, bénis ce repas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux devenir moine, comme frère Camillo. Franchi, pour devenir moine, tu dois faire des études. Et pour faire des études, il faut beaucoup d'argent. Si Franchi veut être moine, nous trouverons les moyens. Et comment? On pourrait vendre la vache? Non. La vache, c'est... Quel genre de père es-tu? Cet animal t'est plus cher que ton fils? Si le Seigneur veut que mon fils soit moine, je trouverai le moyen de payer ses études. Mais la vache, c'est non. La vache, non. Papa, ne pars pas. C'est ma faute si tu t'en vas si loin.